Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi d'une rencontre exceptionnelle, celle qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Deux clubs dont la rivalité est légendaire. Elle divise même des familles que toutes unies. Un dispositif de sécurité a été déployé. 1500 fonctionnaires sont là pour éviter que des supporters chauffés à blanc ne dérapent. Sept journalistes vont vous permettre de découvrir ce moment exceptionnel. PSG-OM, la rencontre de l'année. Nous sommes à Marseille, la capitale de l'OM, à la veille du grand match. Bienvenue à la commanderie, le camp d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Ben Arfa, Sana et bien sûr Éric Guéret, l'entraîneur, toutes les stars de l'OM sont là. Et pour eux, la pression est énorme. Mais ce que les supporters attendent aussi, c'est Avi Assouli. Avi, bonjour, il y a Lili. Bonjour Lili. Tu vas bien? Ça va. Ah, hier soir, je t'ai pas écouté puisque j'ai regardé le match sur la 6. Au coach. Avi, c'est la voix de l'OM. 32 ans qu'il commente pour France Bleu Provence les matchs de Marseille. Alors il se permet même d'interpeller le coach en pleine séance d'entraînement. Je te jette le brassard, moi. L'OM, cette équipe, il la connaît par cœur. Il y a quand même plus d'ambiance, plus d'ambition, plus de motivation pour un PSG-OM qu'un PSG-Lyon ou un OM-Lyon. Tu es d'accord avec moi, quand même, non? Même si Lyon est premier. Non, franchement. Ah, tu sais que ça reste le match de l'année. Hein. Voilà, voilà. Et pour le match de l'année, Avi, le journaliste un peu supporter, est bien sûr confiant. Je ne les vois pas perdre, en tous les cas, à Paris. Maintenant, attention, il y a les blessés, il y a Bonnard qui n'est pas là. Il y a la fatigue aussi, comme Paris. Mais bon. Alors, on aurait voulu l'avoir, nous, le capitaine. Ça va, Avi est ici chez lui. Il tutoie tout le monde et embrasse même Sana, le capitaine de l'OM. Eh ben voilà. Et comme les joueurs à la fin de l'entraînement, le journaliste star a droit à sa petite séance d'autographe. C'est moi qui veux. C'est moi que vous voulez. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. C'est pour vous. Vous êtes à bien sûr. À Marseille, oui, l'ambiance est plutôt bon enfant. Mais à 800 km Merci. De là, certains préparent l'événement avec moins de sérénité. Préfecture de police de Paris. Le quartier général de la sécurité en France. Depuis 10 ans ici, le commandant Prigent scrute les dérapages des hooligans français. Donc voilà, donc là on est sur notre base essentielle d'information, donc qui est Internet. Les hooligans sont fiers de mettre leurs photos de bagarre sur Internet. Pour eux, c'est l'occasion de frimer, et pour les policiers, de très bonnes informations pour savoir qui devant le parc cherchera l'affrontement. Là, on voit, bon, regardez, c'est des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont... Bon, on regarde un petit peu les tenues, il y a des gants, il y a tout. Bon, voilà, quoi. On est des physionomistes. Hein. Nous, ce qu'il faut, c'est repérer, mémoriser des figures qui, potentiellement, peuvent être intéressantes en termes de surveillance de groupe à risque. Mais bon. Et pour enrichir encore son fichier de dangereux hooligans, la police met le paquet. Donc voilà, ça c'est le groupe technique qui utilise des moyens assez sophistiqués pour avoir des images de qualité, du moins dans le lot. Voilà, donc des objectifs type professionnel et un boîtier de marque. Je fais attention quand même parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe. Hein, parce que après, il y a mon salaire qui passe, type Nikon, donc utilisé également par les professionnels. Donc ce groupe qui est en charge de la prise d'image va se rendre au parc, se positionner pour recevoir les premiers visiteurs et voir leur comportement en tribune. Donc les premiers visiteurs étant bien évidemment les Olympiens. Du matériel de paparazzi, c'est à ce prix que les policiers pourront isoler les hooligans, des véritables supporters. Ça va ? Et justement, voilà la plus fervente supportrice de Marseille. En plus de la buvette, je fais la vaisselle aussi. Mimi fait partie du groupe des MTP, les Marseille trop puissants. Il a acheté du pain comme ça ? Avec sa fille, c'est elle qui prépare les sandwichs et gère la buvette, et c'est du boulot. Oh, vous m'envoyez quelqu'un ? Tu crois que je vais faire 150 sandwichs toute seule, là ? Vous déconnez, là ?
Qu'est-ce que t'as fait? T'as été chercher les boissons en voiture et t'es revenu? Non, je pars chercher les boissons, j'ai appelé les gens pour les places de Paris et tout. Toi, t'as appelé les gens pour les places de Paris? Ouais. Et pour Ajax aussi. Fous de ma gueule, là. Sur le bon Dieu, tu crois que je vais te mentir? Arrête de jurer sur le bon Dieu, là. Tu crois que je vais te mentir? L'association de Mimi, c'est 3000 supporters qui ne vivent que pour l'OM. Et pour ces gaillards, Mimi, c'est un peu comme une seconde maman. Tous les déplacements, hein, en France, à l'extérieur, elle est là. En Europe, de partout, elle rate pas un match. Elle est amoureuse de Cissé. Ben, c'est la patriarche du groupe, hein. Notre Dalida, nous, quoi. Voilà, notre Mimi. Dans le groupe, Mimi est la plus âgée. Alors c'est elle qui devra tenir les minots les plus turbulents. Il est minuit. Le match est dans 20 heures. Mais pour Mimi et les supporters des MTP, c'est déjà l'heure du départ pour Paris. On charge les indispensables banderoles à la gloire de l'OM. Mimi, elle, est déjà dans le car. Elle installe sa buvette ambulante. Tu remets un oasis là. Et le coca, tu le remets là, en dessous. En dessous. Voilà. En tout, 2000 Marseillais vont faire le déplacement. Pour ce match-événement, tous les billets ont été vendus. Le bus est plein à craquer. Alors il faut faire de la place. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Il faut libérer de la place. Alors écoute, ce qu'on fait, c'est que ça va partir à la soute. Et on fera des arrêts fréquents pour pouvoir manger. On fait ça. Je sais pas, moi, c'est vous qui voyez. Le problème, Mimi, c'est qu'il faut libérer des places. Ouais, allez-y. Venez, mettez tout à la soupe. Les boissons, si maintenant, les gars, ils demandent des sandwichs. C'est quoi, regarde, les sandwichs. Voilà, je vais t'en mettre quelques-uns là. Et le reste, on le voilà, les pizzas, on peut pas les mettre de côté. Hein. Le billet au stade et le trajet pour Paris ne leur ont coûté que 70 euros. Mais à ce prix-là, pour encourager son équipe, il va falloir supporter 11 heures de car et une nuit bien difficile. Au petit matin, Mimi se réveille doucement. Mais même après 4 heures de sommeil dans un bus, les supporters marseillais sont d'humeur badine. C'est pour eux une tradition. Le petit dernier est toujours bizuté. Ici, un supporter qui n'a pas vécu de PSGOM, c'est comme un étranger dans la famille. Ils ne font pas partie de leur pays, puis qu'ils viennent avec nous, on leur fait toujours des petites farces comme ça. Petite pause sur une aire d'autoroute. Un moment que redoutent les autorités. Car des stations-service comme celle-ci, les supporters de l'OM en ont déjà saccagé. Nous sommes à 250 km de Paris et un comité d'accueil attend déjà les supporters marseillais. Très vite, le ton monte. Il n'y a pas d'incident, juste quelques insultes. Ces Marseillais, un brin excité, il faut pouvoir les contenir. On va essayer de mettre ça là. Et pour ça, la police vient les récupérer directement sur l'autoroute vers Paris. On est gâté par le temps, quoi. Il fait beau, ça sent la victoire de Marseille. L'homme à la blague facile, c'est le commandant Wadou. C'est lui qui va tenir compagnie aux supporters marseillais jusqu'à leur arrivée au stade. Mais d'abord, il va falloir les retrouver. Alors, ça fait un moment qu'on n'est pas venu par là. Un paquet de temps, oui. Effectivement. Ah. Alors, c'est là qu'il faut aller doucement. C'est des passages. T'es sûr que c'est pas par là, dans le fond, là-bas? Oui, bonjour, c'est la police, on vient récupérer des supporters marseillais. Bon, ok, je vous en... Merci. Bon, déjà, il m'a pas demandé où, c'est que c'est bon signe. Non, mais c'est bien, c'est par là. Je suis pas sûr. Mais si. Je m'arrête pas, dit oui. Oui, attends. Au même moment, le car de Mimi arrive. Ouais, au pire des cas, ça nous fera une promenade. Ils sont cachés dans la forêt. Notre bizuté émerge doucement. Regardez.
Bonjour. Comment ça se passe? À partir de là, là, non? Oui, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va vous guider, vous allez passer le péage, les trois bus. D'accord. Vous vous mettez dès que possible sur la droite, vous allez passer et on s'occupe de vous, on vous escorte. D'accord, merci. Le commandant Wadou a finalement trouvé le point de rendez-vous. Nous sommes à 50 km de Paris. Sur cette aire d'autoroute, 10 motos et 2 escadrons de gendarmes attendent les bus marseillais. Il y avait un gradé, il est là, non? Il s'est... Non, oui, tout au bout là-bas. Tout au bout, ah d'accord. Ici, on fait quoi ici? Ici, on sécurise les abords. Et puis après, on va les acheminer. Et puis, on intervient éventuellement si il craque un peu trop de fumigène sur le truc, voilà. Ou des pots à fumer. Je vous explique. À partir de maintenant, le commandant Wadou ne rigole plus. Car dans le bus marseillais, la tension est montée d'un cran. Nous sommes les Marseillais. Mimi et les autres supporters sont maintenant bien réveillés. Et plus ils approchent de Paris, plus ils sont excités. Le canon, vous pouvez crier, dire ce que vous voulez, mais tapez pas sur le matos. Et l'attitude des supporters commence à inquiéter les policiers. Cette inspectrice fait le tour des cars. Elle recherche des informations. Pour les gérer, il faut savoir dans quel état sont les supporters. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc c'est le 249 CEX, Marisol Voyage. C'est ça. C'est l'association MTP. Ouais. Combien vous avez de... Ici on est 49, 51 avec les deux chauffeurs. Est-ce qu'ils ont un petit peu bu à l'intérieur? Non mais je m'en fous. C'est non, pas du tout... Oui, un petit peu. Ouais, ça va. Ils sont gays. Ils ont envie de gagner. Pour tous les... De toute façon, ils savent que vous fumez et ils s'en fichent complètement. Mais ce soir, au stade, il va y avoir une fouille générale. Il faut savoir qu'un joint dans les stades, c'est répression complète, 48 heures de garde. Donc, elle est policière, elle vous avertit, vous faites ce que vous voulez. Elle a fait gentiment. Voilà. Premier contact entre les supporters et notre commandant Wadou. Oui, pour l'instant pas de problème, trop d'alcool. Par contre au niveau toche. Au niveau quoi? Ah, fumette. Bah ouais, on verra ça. Les policiers passeront donc sur la drogue. Ils ont d'autres problèmes à gérer. Ce sont les violences. Des Parisiens voudraient s'en prendre au car, en découdre avec. Ça serait plutôt les cars qui ont rendez-vous au pont de Neuilly là. Au même moment. À quelques encablures de la Défense. Nous sommes dans le quartier chic de Neuilly. C'est là que nous retrouvons le commandant Prigent des renseignements généraux. Les supporters parisiens et marseillais ont prévu de se donner rendez-vous ici pour en découdre. Nous le suivons en caméra cachée. À peine arrivé sur les lieux, il croise de vieilles connaissances, des Hools, les supporters ultra-violents du PSG. Messieurs, vous êtes bien en avance. Putain, on a toujours les mêmes horaires avec vous. Tout le monde fait la même chose. C'est pas bon de croiser les mains. Ouais. De croiser les... Ouais. C'est vrai. Bon, maintenant qu'on vous a vu, on va partir. C'est toujours un stein. Certains, non? Vous n'allez pas vous occuper de ces deux stins? Non, on ne sait pas qui c'est. Ça y est, ils sont déjà occupés. Dans le quartier. De toute façon, vous savez bien que tous les cortèges sont pris en route. Oui, oui. À ce soir. Ouais. Discuter, négocier, c'est le job du commandant Prigent. C'est terminé? C'est terminé, ils vont partir. Ils s'apprennent là, ils vont partir, ils l'ont dit. Quelques minutes plus tard, les premiers quarts de supporters de l'Olympique de Marseille arrivent. Eux sont sans escorte, car ces bus ne viennent pas de Marseille. Nous, on est la section Yonkil de France de Stein. On vient parler de loin, de Stein. De Stein. Voilà. On fête notre 10e anniversaire cette année de groupe de supporters. Voilà. Banlieue parisienne, mais aussi Nord-Pas-de-Calais et même Belgique, car l'OM est le club le plus populaire de France. Les supporters viennent de partout. Un cauchemar pour les policiers. Des fans du PSG viennent alors les provoquer. Bienvenue au parc, les gars. Bienvenue au parc ce soir, c'est la misère, les mecs. Oh, messieurs. Ce soir, on est champions, les gars. Oh. Allez, messieurs, vous avez fait la défense. Ça va. Alors le commandant Prigent continue sa pêche aux infos. Il y a trois mecs qui viennent de passer là, ils se sont pour lui serrer la main, il lui met tout partout, il faut bouge pas, j'ai un couteau, je te crève.
je te saigne. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Et vous, donc, vous l'avez à tout moment, il y a un risque d'affrontement violent. Le commandant Prigent décide alors d'appeler du renfort. Là, on a fait ravotiller du monde pour Neuilly, parce qu'il y a des risques. Donc, des escortes moto, je vais voir s'il y en a, mais à mon avis, il n'y en a pas. Hein. Soudain, un mouvement de foule. Les fans de l'OM ont visiblement repéré un supporter parisien. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Neuilly. Ils sont en train de partir là-bas. Fort heureusement, le supporter a réussi à s'échapper. Les renforts arrivent enfin. Ils parviennent à faire monter les supporters surexcités dans leur bus. Ils seront escortés jusqu'au Parc des Princes. Le Parc des Princes, une zone à très haut risque. Dans quelques heures, près de 50 000 supporters vont converger vers cette enceinte située en plein centre-ville. Alors avant leur arrivée, il faut faire le ménage. C'est le début du ballet des dépanneuses. 6 véhicules chargés d'enlever les voitures. C'est un ordre de la préfecture. Plus aucun véhicule ne doit stationner dans un rayon de 300 mètres autour du Parc des Princes. Tiens, il est un surligneur, le collègue. Tiens, avec un bion, il est un surligneur. Tu me les donnes, Néru ? J'ai plein de vacances. Ça va être vidé, ça, à peu près. Non, ça, c'est bon. Là, boulevard Murat. Ah non, je me trompe, c'était là. C'est là. Ça, tout ça s'est enlevé. Tout ça. Le but de l'opération, enlever les obstacles qui pourraient gêner le transfert des supporters. Mais surtout, éviter les dégradations sur les voitures des riverains. Pas d'amende. Les véhicules sont juste déplacés dans le bois de Boulogne, à quelques kilomètres de là. Ce qui ne semble pas réjouir cette habitante du quartier. Il y a le chemin le plus simple pour aller à l'allée de la Reine Marguerite. Là. Ah, c'est dans le bois, madame. Comment c'est, ça, vous vous dites, voilà le directeur du bois. Comment c'est dans le bois. Mais c'est dans le bois il est grand, vous dites. Ah, mais l'allée, il n'y a qu'une seule allée là-bas. La grenade est centrale. Comment on l'atteint, l'allée? Bah, pour le moment. Allez, vas-y. Vous êtes fait enlever votre voiture? Ouais, non, mais c'est... Je veux dire, je trouve ça absolument incroyable. Je sais même pas... Je veux dire, moi, j'espère au moins que c'est le foot qui paye tout ça. Au total, 150 voitures seront enlevées. Mais certains ont préféré vivre cet événement loin du stade. Garges-lès-Gonesse, en banlieue parisienne. Laurent Zaoui termine le détartrage de l'une de ses clientes. Mais dans quelques heures, c'est lui qui devrait souffrir. Car Laurent est supporter du PSG depuis toujours. Le problème, c'est que son frère, Philippe, avec qui il partage son cabinet, est lui fan de l'OM. Alors on va voir le supporter de Paris. Porte secrète. Et chez les Zaoui, la soirée s'annonce difficile. Ouais, Laurent ? Ouais. Bon, tu viens voir le match chez moi, dimanche soir ? Je sais pas. Hein. Pourquoi tu sais pas ? À chaque fois, c'est un peu tendu. Bon, je vais m'arrêter un petit peu de travailler. À chaque fois, c'est un peu tendu. Avec ton fils. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir. C'est dur parfois de se modérer ? De se modérer, oui. Parfois, c'est un petit peu difficile. Mais bon, ça reste quand même bon enfant. Hein, c'est du football. Mais bon, il y a quand même le cœur qui parle. Vous avez peur de vous engueuler ? Je vais être un peu isolé parce que chez eux, supporters de Marseille. Non, parce que j'ai dit aussi à papa et à Edouard de venir. Ah, deux supporters du PSG. Hein. Edouard, c'est mon beau-père, supporter du PSG. Mon père, supporter du PSG. Sur mes deux fils, il n'y en aura qu'un. Donc, ce sera plutôt nous qui serons isolés. Hein. Bon, avec plaisir. Le rendez-vous est donc pris. On fera pizza sushi. Tu verras ce que tu préfères. Si tu
vois faire du sushi. Ils n'aiment pas ça. Ce sera pour la mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera pour la mi-temps. Je ne sais pas, soit l'avant-match, soit la mi-temps. Ah, parce que si c'est à la mi-temps, tu risques de plus avoir faim. Ah bon? Ouais, ça va te couper l'appétit, je crois. Écoute, on verra ça. Pour l'instant, on se chambre gentiment. Mais ce soir, c'est sûr, l'ambiance sera électrique. 15h30, nous retrouvons le commandant Wadou. À 50 km de Paris, au péage de Fleury-en-Bière, le convoi des 20 bus de supporters marseillais est prêt à partir. Bonne route par ce beau soleil. Ouais, ça va, ça fait du bien. Ouais. Ça va. Ça va bien se passer aussi, je pense. Ouais. Donc en deux vagues. Oui. En deux vagues, parce qu'on va avoir, une dizaine de cars, dès qu'on en a 10, on part, 4 ou 5 minibus et un escadron. Ah ouais. Parce que là, j'ai 4 équipes. Donc, c'est bien. Oui, là, ça fait deux équipes et deux équipes. Ouais, deux équipes. À condition que sur la deuxième vague, on a à peu près le même nom. Le chef des motards est inquiet, car l'opération est délicate. Allez, recule. On a un bus derrière. Oh, on part, nous. C'est parti pour une heure de route. Pour éviter qu'une voiture vienne s'intercaler entre les bus de supporters, les voies d'accès à l'autoroute sont bloquées. On est à 50, quoi. Enfin, on ne peut pas descendre parce qu'on bloque tout derrière. Donc, on fait une opération escargot à nous tout seuls. Ça ne va pas faire des heureux, mais enfin, le trafic est assez léger, là. Derrière, dans le bus des Marseillais, on s'amuse comme on peut. Mais ça me fait rire parce que les gens ils disent au revoir et ouais ils les insultent. Et là, pousse-toi. Avance. L'escadron, faut qu'il passe aussi. Avance. Nous sommes à 4 heures du coup d'envoi. Le cortège arrive enfin aux abords du parc. Les Marseillais sont parqués à 500 mètres du stade, dans une zone barricadée et gardée par les CRS. Pas question pour les supporters de sortir de cette zone. Pourtant, notre bizuté a des fourmis dans les jambes. La route s'est bien passée, on est arrivé, voilà. Là, on est prêt pour l'action, on attend que ça bouge. Avant d'accéder au stade, tout le monde est minutieusement fouillé. Merci. C'est le scotch pour la banderole, monsieur. Ah, c'est le scotch pour la banderole, monsieur. Santi, il ne veut pas laisser rentrer le scotch. Le scotch est confisqué, car lancé d'une tribune, cela peut devenir un puissant projectile capable de blesser. Et avant ce match, aucun passe-droit n'est autorisé. Non, il n'est pas passé au plein. Pas sûr, du tout, voilà. Allez, hop, là-bas, dégage. Allez, de toute façon, c'est pas grave de passer deux fois au palpation. Si on n'a rien, il n'y a pas de problème. Toutes les banderoles sont dépliées. Pas question de laisser passer des messages ou des symboles à caractère raciste, antisémite ou faisant l'apologie de la violence. Sur les trottoirs, pas un seul riverain, mais des dizaines de gendarmes mobiles. Dans l'ouest chic de Paris, ce quartier résidentiel est d'habitude si tranquille, se transforme en véritable camp retranché pour contenir des supporters à la voix de plus en plus forte. Le commandant Wadou encadre la tête du cortège, rejoint par le commandant Prigent des renseignements généraux, qui vient rassurer les habitants. Vous fermez votre doigt de lycée, ça évite que je déplie des choses qui volent. Bon, il vaut mieux qu'on rentre aussi. Non, vous pouvez regarder, vous êtes protégé. Mais on a vu des fumigènes atterrir dans les appartements. Donc, Ouais, c'est peut-être parce que c'est la façade. Intérieurement, ça commence à monter un petit peu, mais bon. Intérieurement, ça monte. Ouais. Bah oui, on va voir le virage là-bas, bah, vous allez voir. Ça peut être un peu sportif. Le virage là-bas, c'est le virage où les supporters parisiens attendent les Marseillais. La gendarmerie prend position pour les encercler. Trois lignes de gendarmes mobiles vont séparer les deux camps. Des chiens doivent faire peur aux supporters les plus téméraires.
Cette barrière est conçue pour intimider, car les Marseillais arrivent. Ils sont pas là aussitôt, hein. On est à 2h30 avant la rencontre, là, jamais vu autant de monde. Hein. Provocation, insulte, mais finalement, aucun supporter ne tente de forcer le barrage. Ça va passer. Ça passe. Oui, mais enfin, il y a quand même de l'espace. Les dizaines de gendarmes ont tenu sous la pression. Le convoi est passé. Les supporters marseillais rentrent dans leur tribune sans incident. À quelques kilomètres de là, l'ambiance est beaucoup plus calme. Décaler Zoubar sur le côté. Courbevoie. Nous retrouvons chez lui Philippe Zahoui et ses deux fils, fans de l'OM. Il prépare un accueil surprise à Laurent, celui qui supporte Paris. La tête du championnat. Bonjour, monsieur. La tête du championnat qui nous attend ce soir. Ça va ? Moi, j'ai pas pu amener le maillot parce que je l'ai utilisé ce matin pour jouer. Ah bon ? Donc il était. Ah bon ? En préparation du match, la femme de Philippe commande les sushis pour la famille. En tout, ce soir, ils seront une dizaine devant la télé. Laurent, le Parisien, attend du renfort. Il y a mes collègues qui arrivent en force. Moi, depuis la création du PSG, je suis Parisien. J'ai oublié la casquette, mais... Ici, être supporter, c'est une affaire de famille. Et le clan est coupé en deux. Il y a d'un côté les Parisiens, comme le grand-père, de l'autre, les fiers Marseillais. Alors le dernier PSGOM a laissé des traces. C'est très virulent, on m'a cassé un fauteuil une fois. Un fauteuil de mon salon. Et dans la famille coupée en deux, même mamie utilise tous les arguments pour recruter dans le camp d'en face. C'est que si tu n'es pas PSG, tout ça, c'est pour toi de me la loubier le couscous. heures aux abords du Parc des Princes. Les supporters commencent à arriver. Avia Souli, le journaliste sportif marseillais, est venu commenter le match, mais il n'est pas très rassuré. Puis avec la caméra, on va être vite repéré. Hein. À Marseille, le chroniqueur historique de l'OM est une star. Mais ici, au beau milieu des fans du PSG, Avi préfère la jouer profil bas. Ben là, je suis plus que discret. Hein. Faut raser les murs. Là. Parce que là, c'est le fief des Parisiens, hein. Des supporters parisiens. Et au pied du stade, là où sont massés les supporters les plus violents, le Marseillais préfère accélérer le pas. Il s'engouffre au plus vite dans le parc. Bon, ça va, ben, vous me laissez. Avi s'installe dans la zone presse du stade, au-dessus de la tribune présidentielle, les quelques sièges réservés aux journalistes. Ouais, c'est là. C'est là. Bon, voilà, je suis tout seul. Là. Avi est un des premiers à s'installer, car pour les PSGOM, les places sont chères. C'est où, toi, là ? Ce soir, ici, il y aura deux fois plus de journalistes que d'habitude. Avi a marqué son territoire, alors il ne prend même pas le temps d'installer son matériel. Direction la pelouse pour recueillir les dernières infos auprès d'un vieil ami, l'arbitre de la rencontre. Bertrand ! Comment vas-tu, mon ami ? Tu vas bien ? Et toi ? Grand match, hein ? Bon. Grand match. Ouais, ça devrait être un grand match, ouais. Tu es au courant de ce qui se passe ? Non. Bah, Lyon a perdu ce soir. Ah oui, et là, tu tiens le premier, peut-être ? Oui, je tiens rien, moi. Moi, je tiens rien du tout, moi. Car avec la défaite de Lyon dans l'après-midi, Paris peut, avec ce match, prendre la tête du championnat. L'enjeu sportif est considérable. Voilà. Pour la première fois depuis des années, Paris et Marseille jouent bien plus que l'honneur. C'est extraordinaire ce soir, extraordinaire. Un match qu'on va vivre intensément, bien sûr. Ah, ça va être extraordinaire. C'est génial. C'est génial. Dans les tribunes,
L'information s'est transmise en quelques minutes. La saison peut basculer ce soir. L'ambiance monte encore d'un cran. Car pour les Marseillais, ce serait insupportable d'assister à la prise de pouvoir de leur rival. Mimi est bien sûr de cet avis. Pour anticiper d'éventuels débordements, 152 caméras scrutent en permanence les tribunes. Nous sommes au PC Sécurité, c'est la tour de contrôle du Parc des Princes. Ici, 15 policiers ne lâchent pas des yeux les tribunes et les images sur leur moniteur. Le match n'a pas encore commencé, pourtant les fonctionnaires vont déjà devoir intervenir. Un supporter vient de craquer un fumigène. Il faut faire très vite et arrêter le trouble fait. Cet individu-là a un fumigène dans la main. Non, celui-là. En quelques secondes, une caméra munie d'un zoom très puissant photographie le supporter. Son portrait est immédiatement imprimé. Donc voilà, une photo avec l'individu qui a un fumigène à la main. Cette photo, c'est une preuve pour la justice. Mais d'abord, il faut mettre la main sur ce supporter. L'ordre d'arrestation a été donné. Pour l'exécuter, ce policier descend avec la photo dans le sous-sol du stade. C'est là qu'est installé le PC opérationnel des policiers. Du Parc des Princes, c'est là où est tout concentré, les interpellations qu'il y a sur le aux alentours du parc et dans le parc. Sous la pelouse où s'affrontent les deux équipes, règne une drôle d'effervescence. Un véritable commissariat de police avec 15 fonctionnaires prêts à intervenir au moindre incident. La photo du supporter est distribuée aux hommes de la BAC. Pas simple de retrouver un jeune homme au milieu de 47 000 personnes, mais grâce aux caméras du stade, les fonctionnaires connaissent sa tenue jusque dans ses moindres détails. C'est le monsieur là, qui est au milieu. Avec une écharpe en tête. Voilà, alors il a une écharpe, à plus, c'est une écharpe anti-marseillais. Ouais. Hein. Donc il a le cuir brun, maillot du PSG, banane. Il a des bagues au niveau de la main gauche. Il a deux bagues. Il l'a enlevé des fois son truc sur la tête là, non, il n'a pas levé. Il a grillé le fil avec et il est encore là parce que c'est une photo. Là c'est récent, hein, c'est, ça date de, celle-là elle date de 10 minutes, un quart d'heure. Et il a toujours sur la tête. Bon, ben, avant même le début du match, la première chasse à l'homme est lancée dans le stade. Mais c'est pourtant à l'extérieur que la situation est la plus critique. Nous sommes à Boulogne-Billancourt, à quelques centaines de mètres du Parc des Princes. Le commandant Prigent est très inquiet. Une centaine de hooligans se sont postés à l'angle d'une rue devant un bar. Le problème, c'est qu'il y en a sur tous les côtés. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Qu'est-ce qu'ils chantent, hein ? Hooligan PSG. Hooligan PSG, c'est ça ? C'est quoi ? C'est un chant de ralliement ? Ah, c'est montrer qui ils sont, c'est identifié. Du verre brisé sur le sol. Il vient d'y avoir un premier affrontement avec les forces de l'ordre. Si les hooligans parisiens ont décidé de se rassembler ici, c'est parce que dans quelques minutes, le bus des joueurs de l'OM va traverser ce carrefour. Les hooligans lui ont préparé un joli comité d'accueil. La situation devient critique. Le commandant Prigent demande alors du renfort. 50 à tous les effectifs sur Boulogne, le quart vient de partir. Le quart vient de... C'est le bus qui part. Ils arrivent, ils arrivent. Le bus de l'OM arrive. En quelques secondes, le quartier plonge dans une ambiance de guerre civile. Des automobilistes sont pris en otage au milieu du champ de bataille. Les CRS décident alors de charger les hooligans. Ici, c'est leur territoire. Certains d'entre eux nous prennent alors pour cible en nous jetant des bouteilles. Les hooligans craignent surtout que les policiers utilisent nos images pour les identifier. Voilà, regardez les journalistes qui prennent des La caméra.
Rapidement, nous sommes entourés par 6 d'entre eux. Ouais, c'est pas bien. Il est en train de dire qu'il est en train de vous filmer. On te demande de ne pas filmer. Pourquoi? Vous donnez ce parole. Ouais. Monsieur va vous expliquer. Soit vous cassez tout de suite, soit ça part en vérité. Donc, ça va. Nous sommes contraints de quitter les lieux. Ici, ce sont les Wolves qui font la loi. Non, ils sont pas faciles, hein. Ah ben non. Donc là maintenant, c'est terminé. Vous êtes mort. Ah bon, à ce moment-là? Ouais, non, mais là c'est sérieux. Hein. Non, ne filmez plus, là, parce que ils vous ont détronché. Hein. Donc, les autres, là, c'est pas la peine. Mais c'est quoi le risque? Bah, à votre avis. Et vous pouvez pas les arrêter quand ils font ce genre de... C'est moi qui vais prendre, on va tous prendre, on va se faire massacrer. C'est étonnant, ça veut dire que quelque part ils font leur loi quand non, même. Ils nous préviennent, ils nous avisent. Sinon, s'ils faisaient leur loi, ils vous auraient tabassé. Voilà. Donc, ils préviennent et voilà. Et vous, vous pouvez rien faire dans ces cas-là. Je suis qu'on est deux. On est deux. On va faire 2 contre 300, à moins d'être camouflage. Le bus des joueurs de l'OM est enfin arrivé aux abords du stade. Les vitres blindées ont résisté au terrible assaut des hooligans. Le commandant Wadou est maintenant à la manœuvre. Attention, on va avoir les bus qui arrivent, on se remet sur le côté. Allez! Allez! Il tourne! Merci! Ça a l'air d'être éloquent au son, hein. Ça doit être le bus de Marseille. C'est la cohue devant l'entrée de la tribune présidentielle. Le ministre des Sports, Bernard Laporte, est interpellé par un supporter interdit de stade. J'ai les interdictions, sincèrement, oublie. Tu me dis c'est pas toi, c'est toi et tes potes là. Tu vois, je t'ai pas vu à chaque fois. Un an d'interdiction de stade, tu sais ce que c'est? Aller pointer tout le week-end, tu sais ce que c'est? Niquer tout le week-end pour ça? Ouais, mais tout ça parce que t'es supporter parisien. Tout ça parce que t'es supporter parisien. Pour le moindre prétexte. On est étiqueté. Ouais, bah. On est étiqueté. Non, je crois pas. Mais si, si. Ça fait des années. J'ai toujours pris un exemple. Ça fait des années que ça dure. On fait pas le même discours. Toutes les semaines, il y a des problèmes. Toutes les semaines, il y a des problèmes. Mais malheureusement. Non, mais vous habituez, je m'en fous, vous habituez. Vous êtes porte-parole. Mais malheureusement, quand on est supporter parisien, on est étiqueté. Et ça fait des années que ça fait. Alors que malheureusement, tous les stades, tous les week-ends, il y a des problèmes. Et ça, il faut faire quelque chose. Changer cette image-là. Et pourtant, à quelques mètres de là, les CRS ont dû sortir le gaz lacrymogène. Les supporters ont essayé d'entrer dans le stade sans payer. Ce match se joue à guichet fermé, il n'y a plus une place à vendre. Du coup, avec l'intervention des CRS, même ceux qui avaient des billets sont refoulés à l'extérieur. T'as rien fait ! Ils ont bloqué les portes, ils nous ont agressés, regardez ma gueule, ils ont balancé de la fumée. Pour rien ! Pour rien, il n'y avait rien, ils ont fermé les portes. Vous voyez, à 5 minutes du match. Mais pourquoi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, il n'y avait rien. Il n'y avait personne, ils empêchaient tout le monde de rentrer, ils ont fermé les portes. Ils ont voulu qu'on recule, ils ont balancé de la bombe, regardez. Je me suis fait voler mon portefeuille à cause d'eux, parce que dans la foule, les gens, ils en ont profité pour voler. Voilà ce qu'ils ont fait, les flics. Voilà à quoi ils servent. Portefeuille, papier, tout. Ce supporter pourra finalement rentrer dans le stade. À Courbevoie, les Aouis s'apprêtent à vivre le match de l'année. On est où ici? On est où? On est à domicile. Les supporters de l'OM ont marqué leur territoire et pas question de se mélanger. Mon pays bouge.
Oui. Alors le coin des Marseillais, hein. Je crois que les Parisiens vont se mettre derrière. C'est-à-dire Victor et Marseille. Alors, Julie, Waro, on va le casser, tu vois. Ouais, dis-moi. Première minute, tac, tac par derrière. De chaque côté, on est confiant et le coup d'envoi est enfin donné. Le début du match est plutôt équilibré. Mais tout va basculer à la 23e minute. Un 0 pour l'OM. Laurent encaisse son branché. Pour Philippe et ses deux fils, on n'est plus démonstratif. Mais leur joie ne durera qu'un gros quart d'heure. Laurent a soudain perdu son calme légendaire et c'est au tour de Philippe d'accuser le coup. Fin de la première mi-temps. Un partout entre Philippe et Laurent. Le conflit de famille a été évité de justesse. Ils n'ont pas vu le jour pendant toute la mi-temps et un petit but de raccro. Sur une saison, la chance n'existe pas. Les Aoui ont encore le sourire, mais ils sont loin d'imaginer ce qu'il se passe au cœur du stade. À la mi-temps, dans la tribune des supporters parisiens, c'est une bagarre rangée. Un supporter a pris à partie un stadier. 10 gardiens entourent le Parisien récalcitrant. Il est immédiatement interpellé. Des agents le descendent au PC de la police, dans les sous-sols du stade. Ma gueule. Regarde-moi bien ma gueule. Regarde ma gueule. Tu me vois qu'à de merde, toi. Je n'ai pas de merde, mon fils de pute. Ça fils de pute, toi. Ça fils de pute. Je vais te niquer ta mère, moi. Rappelle-toi, mère. Voilà, je vais à Fleury. Je vais au nid. Ou je vais où tu me dis pis. Je te sors, je te nique ta mère, moi, la pute. Rappelle-toi bien. Il y a mon beau frère ici. Si je te trouve pas, mais le supporter ne veut toujours pas se calmer. Il a trop bu. Alors même encadré de gendarmes mobiles, il continue d'insulter et de menacer le stade du Parc sur le côté. Asseyez-moi. Je peux pas vous asseyez. Asseyez-vous. Ça, c'est vous. Vous voyez ? Le supporter est trop menaçant. Les policiers n'ont plus d'autre choix que de le placer en cellule. Vous vous calmez, monsieur. Bon, menottez-le. Silence. On va le menotter. On a des menottes, là ? On va le menotter, il va s'asseoir parce que là, il est... L'homme passera donc la seconde mi-temps en cellule. Sous le Parc des Princes, tout est prévu pour gérer ses supporters violents. Il est alcoolisé, il est très énervé. Donc. Voilà. Mais on a deux cellules qui sont réparties de part et d'autre, là-bas. Ouais. D'accord. Là, on essaie quand même de mettre les supporters adverses. On essaie de les séparer, bien évidemment. Parce que c'est pour ça qu'il y a deux cellules. C'est pour ça qu'il y a deux cellules. Qui est sûr qu'ils ne se battent pas. Absolument. Oui, tout à fait. Toujours devant le but. À Courbevoie, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, ça reprend. Et entre les deux frères Aoui, le climat ne s'arrange pas. La trêve n'aura duré que quelques minutes, car sur le terrain, le match bascule. Un joueur de Paris prend un carton rouge, alors Marseille a le droit à un coup franc. L'OM prend à cet instant un avantage décisif. Un gros but châteux, hein. Et les Parisiens de la famille font grise mine. Dans le Parc des Princes, le match repart à peine, qu'il est immédiatement perturbé. Alors qu'il y a un supporter. Qui est en train de dire je suis là, messieurs dames, mais comment un supporter peut-il entrer comme ça au Parc des Princes? C'est du jamais vu. Les stadiers viennent interpeller le perturbateur et lui aussi est conduit au commissariat. Nous emmène un mec qui s'amuse à toucher le ballon. Terrible désaveu pour les policiers, car ce jeune supporter a réussi à déjouer tout le dispositif de sécurité.
comment il est rentré. Donc il a escaladé la grille. Il est de droit d'auteur. Il a escaladé la grille par rapport à la, à la tribune Paris. Ouais. Et puis après il a fait son truc. Ouais. Et quand vous avez accédé au... J'ai escaladé. Non mais pour sortir sur le terrain, il a fait avec la fosse comme il a fait. Pareil. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a récupéré? Et chez nous, on le récupère juste au moment avec les stewards qu'on arrive en sas pour le récupérer. Ok, ça marche. Est-ce que... d'accord. T'as quelle heure pour l'interpellation? Les charges sont lourdes. Une enquête judiciaire est lancée. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pour rigoler. Pour rigoler? Ouais, pour faire passer le temps. C'est pour la populaire. Et la plaisanterie peut coûter très cher. D'accord. Qu'est-ce qui a marqué là? C'est simplement l'incrimination du comportement de, en fait, de, du fait de rentrer sur une aire de jeu. Ouais, il risque quoi alors hein? C'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est un maximum. Hein. Mmh. Donc voilà. Ok, c'est ce texte-là. Ok. Les policiers vont interroger le plaisantin. Ils prennent par écrit sa déposition. Ok, ça marche. Le document est là. Attends, je regarde. Il vous a reproché, monsieur, d'avoir trouvé la compétition, l'événement sportif. Vous êtes rentré sur le terrain pour vous amuser avec le ballon. Malheureusement, pour ça, vous êtes placé en garde à vue. Ok. Et c'est de la cellule du parc que le jeune perturbateur entendra le coup de sifflet final. Fin du match. Marseille gagne 3-1. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Chez les Aoui, Philippe et le clan marseillais s'embrassent. Quant aux Parisiens, ils essayent de faire bonne figure. Oh, quel horreur. Ah non, c'est... J'en chialerai. D'autant que pour le clan de l'OM, cette victoire, c'est surtout l'occasion d'humilier les Parisiens. Je reconnais. Il faut reconnaître, on n'a pas pris les 3 points. C'est très bon match. Ce soir, tout le monde est donc beau joueur. Chez les Aoui, l'esprit de famille est plus fort. Et demain, les deux frères retourneront travailler ensemble. Bravo. À demain au cabinet, alors. À demain au cabinet. Et je pense que sur mon écran d'ordinateur, j'aurai une petite surprise demain. Ah, certainement. 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 Il y a de l'OM. Je veux dire, il y avait tellement de... Aux abords du stade, les spectateurs se précipitent déjà vers les transports, toujours sous haute surveillance. Les policiers continuent d'interpeller ceux qui ont été violents en tribune. Ce supporter escorté jusqu'au commissariat avait été repéré par les caméras en train de lancer des fumigènes. Donc on a un objectif plus son collègue qui avait un fumigène aussi. C'est les deux gars qui sont sur la photo des objectifs. Nickel. Bon allez. Le supporter est immédiatement placé en détention. Si vous lisez le procès verbal, vous verrez que c'est 24 heures maximum qui... Non, attendez. C'est 24 heures maximum qui peut être prolongé. D'accord, de 24 heures supplémentaires. Ce soir-là, les cellules du parc sont pleines. Pendant ce match, les policiers ont procédé à 22 interpellations. Le lanceur de fumigène, lui, est incarcéré au commissariat de police voisin. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Il passera la nuit derrière les barreaux. Dehors, les joueurs parisiens quittent discrètement le parc dans leur voiture de luxe. Mais pour les centaines de policiers, ce n'est pas le moment de relâcher la pression. Le commandant Wadou est aux commandes pour évacuer les 2000 supporters marseillais. Bon, attention, ça sort. Les portes du stade sont ouvertes sous haute protection. Pour rejoindre leur bus, les supporters sont encadrés par 200 policiers et la garde montée. Il est 23h,
Les Marseillais chantent leur victoire. Le commandant Wadou doit arriver à les contenir. Le risque, ce serait uniquement qu'ils aient des envies d'aller cavaler un peu dans la capitale en attendant de reprendre les cartes. Certains supporters parisiens attendent les Marseillais depuis la fin du match. Provocation, menace de mort, mais plus grave encore, un jeu raciste lancé par les hooligans du PSG. Mais finalement, pas de bagarre directe et une victoire. Alors dans le cortège, Mimi hurle ses insultes avec le sourire. Les Marseillais traversent les rues de Paris sans le moindre problème. Le commandant Wadou commence à souffler. Son dispositif a été efficace, même les supporters le reconnaissent. C'est un exemple, quoi, là, de les Marseillais qui rentrent tranquillement chez eux. Moi, je suis pas là, je suis de ça, moi. Oui. Mais sans foutre le bordel, et c'est beau, quoi. C'est ça, là, toujours. Bah, parce qu'ils vous l'ont dit. Mais ce que je vous ai dit, nous aussi, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi 2000 policiers avec des gens aussi gentils? Parce que d'avoir 2000 policiers, ça les rend plus gentils encore. Il est minuit. Les 2000 supporters attendent à quelques centaines de mètres du stade. Le commandant Wadou pousse les Marseillais à accélérer la cadence. Vous avancez, vous arrêtez 10 mètres avant le barrage du bout, là. Hein ? Comme ça, les autres, ça va les inciter à monter dans les cars plus vite. OK ? Les supporters sont fatigués, ils n'opposent aucune résistance et montent dans les bus. Pour Mimi, une nouvelle nuit l'attend sur la route. Les motos, c'est prêt ? Finalement, le commandant Wadou donne le signal du départ. Les motos, c'est bon ? Là-bas, ils sont en tête, c'est bon. Pour lui, c'est une mission parfaitement accomplie. Je suis content que ça soit, cette journée soit terminée, ça s'achève quand même sur un bon résultat. Au final, pour ce match choc, pas d'incident majeur. Une vingtaine d'interpellations et quelques blessés légers. Pour les responsables du dispositif, c'est l'heure du bilan. Devant le stade, Adrienne de Malray fait le point avec Michel Lecoix, le commissaire qui a mis en place ce système de sécurité. Bon, monsieur Lecoix, on vous retrouve à la fin du match. Ouais. Quel bilan vous faites en matière de sécurité ce soir ? Écoutez, le bilan est relativement positif. Ça a été une rencontre qui était placée sous une certaine tension, qui s'est manifestée à plusieurs reprises. Mais globalement, on n'a pas eu d'incident grave et tout s'est à peu près bien passé, sauf pour le PSG. Alors, est-ce qu'on peut dire que le football est un sport violent ou qui attire des violences, selon vous, plus que d'autres ? C'est très certainement le sport qui génère en tous les cas le plus de tensions du fait de son universalité dans le monde et du fait de ses racines qui prennent leur source dans une forme de nationalisme, dans une forme de défense d'un territoire, d'un pays quand c'est les équipes nationales. Donc, et puis c'est le sport, c'est un des sports en tous les cas, même le sport qui dans le monde met en cause le plus d'enjeux en termes économiques et financiers. Est-ce qu'on développe assez le système répressif autour de ces sujets? Oui, le système répressif est à son niveau. Moi, je pense que dans cette population, la répression, quand elle est ferme et qu'elle est juste, mm-hmm. qu'elle est justifiée, et c'est quand même la plupart du temps le cas, elle a un aspect dissuasif. C'est quoi le système répressif? C'est juste l'interdiction de stade ou est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui? L'interdiction de stade, c'est quand même pour ses supporters, pour qui c'est quand même une passion, qu'elle soit, même si elle révèle des côtés désagréables et qui sont absolument inadmissibles, c'est quand même une passion. Donc leur retirer ces éléments c'est de suffisant. Passion, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un gros progrès. Alors là, on est entouré, c'est la fin du match, on est entouré de CRS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le dispositif qui a été mis en place ?
Après, le dispositif, c'est un dispositif assez classique pour éviter que les supporters adverses et les supporters de l'équipe résidente, c'est-à-dire du PSG, ne se rencontrent. Donc, on met un dispositif qui est une sorte d'étanchéité et qui se manifeste par la présence de cordons, de gendarmes mobiles ou de CRS. Quand on voit tous les fonctionnaires qui sont déployés, 1500 au total ce soir, ça coûte combien ? Une partie est payée par le contribuable dans le cadre de la mission de police, d'ordre public, et en tous les cas, les services qui sont effectués comme ce soir ou comme dans d'autres cas, pas seulement à Paris, ce sont les clubs qui payent les services de la police selon, encore une fois, un barème qui est assez précis, assez pointu. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Retour dans le stade. Ce soir, Avi Assouli ne compte pas ses heures. Il est le dernier encore à travailler. Il termine les derniers reportages pour sa radio. Tu sais ce que je fais là ? Je vais monter 3 éléments, je vais les envoyer, je vais être en rapport avec... Et puis c'est bon. Le vieux briscard de l'OM a passé le plus beau match de ces 10 dernières années. C'était vraiment un classico de très haut niveau. Mission accomplie avec une victoire. C'est sympa. C'est une très bonne journée. À Marseille, ils doivent être contents. Les supporters, ils vont bien dormir. Ce soir, tout le monde doit être au restaurant. Ça doit faire la fête. Ça va passer une bonne semaine. Le Parc des Princes est maintenant totalement désert. Salut les gars. À l'extérieur, nous retrouvons Adrienne avec Christophe Paco, le monsieur sport de Direct 8. Christophe, vous avez assisté au match ? Vous avez suivi le match. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était un bon match de foot. On attendait un grand sommet, on a été privé de la fin, quoi. Privé de dessert. Alors, est-ce que c'était le classico, comme il se doit ? Oui, avant, oui. Tout ce qui s'est passé avant, on a... En plus, le championnat est intéressant en ce moment. Hein. Depuis le début du mois de mars, c'est l'arrivée du printemps. Non, c'est un championnat super intéressant, ça monte en puissance, quelques petites phrases, des portraits, beaucoup de presse. Non, quelques people, c'était bien. PSG-OM, ouais. En tout cas, c'est le match mythique. Quelle est l'origine de cette rivalité ? C'est vraiment sportif. Justement, il y avait Bernard Tapie, par exemple, contre Claude Bèze. C'était Bordeaux-Marseille. Alors, c'était les arrivées avec des voitures extraordinaires, avec des limousines et tout. C'était assez extraordinaire. Et puis, après, il y a Canal+ qui est arrivé dans le milieu du football. Et c'était la rivalité entre Paris, les Nantis, puis Marseille, deuxième ville de France. Mais c'est historique, quoi. C'est toujours comme ça, quoi. Puis, c'est les sudistes, hein. Leur façon de parler, les Marseillais, ils veulent défendre l'histoire de leur football. Ils sont le seul champion d'Europe. Et est-ce que ça a été monté toute pièce ? Cette concurrence. On aime bien chercher une concurrence. Parce que c'est pratique aussi pour la télévision à l'époque. Deux équipes qui pouvaient. En plus, c'est deux grandes villes de France. Que le problème, par exemple, nous en France, on a qu'un club à Paris. J'ai remarqué dans tous les grands championnats étrangers, il y a plusieurs clubs, en fait, au moins deux grands clubs. En Italie, en Angleterre, il y a même 4-5 clubs à Londres. Et en France, on n'a pas ça. Donc nous, on est obligé de trouver quelque chose, une rivalité. Il y avait quand même des personnages. Quand ça a commencé vraiment le classico, c'était la rivalité Bernard Tapie à Marseille, tout ça, et ces joueurs qui étaient... C'était du business avant tout ? C'était vraiment sportif ? Il y avait du sportif. Il y avait d'autres joueurs qu'aujourd'hui. Il y avait plus d'argent dans le football en France et plus de joueurs stars. Donc quand même, on mettait d'un côté des joueurs hyper stars, et puis voilà, et de l'autre aussi. Donc c'était très serré, très tendu. Non. Puis il y avait des matchs avec une intensité physique extraordinaire, toute une ambiance. Est-ce qu'il y a des restes encore de cette rivalité aujourd'hui ? Au niveau présidentiel, un petit peu moins. Hein. Il y a moins de grande envolée. En plus, je crois qu'on s'est un peu tue. Parce qu'il y a des moments où ça a été très chaud entre certains présidents, même avec Pape Diouf, quand on a joué avec une équipe. Mais très chaud, c'est-à-dire qu'ils en venaient au mot, c'était agressif. Oui, très agressif. Et puis après, il y a eu le triste épisode où on est venu jouer, par exemple, côté Marseille ici, avec une équipe réserve, une équipe de CFA, pour pas envenimer les choses. Ça, c'est un petit peu dommage pour l'intérêt sportif. Et je crois. Et puis après, le PSG est retombé, malheureusement bien bas dans le classement. Marseille avait jeté un petit peu dans la bonne moitié du classement, mais c'était plus... Et là aujourd'hui, on a des équipes qui peuvent jouer, qui jouent dans les 5 premiers, quoi, qui jouent la Ligue des Champions. Qui... Bon, mais le football a de belles années devant lui. Heureusement. C'est un sport extraordinaire. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. D'avoir été là. On vous retrouve sur Direct, bien sûr, pour Direct Sport, tous les lundis, en direct. Et on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de Marseille. Ça, c'est vrai. Tous les lundis. Très bonne soirée, merci beaucoup. C'était 48 heures dans les coulisses de PSG-OM, l'événement sportif le plus chaud de l'année. Et pendant que Paris retrouve son calme, Enquête inédite continue avec un autre reportage. Il est célibataire et veut trouver l'âme sœur. Pour cela, il est prêt à tout. Payer le prix fort, quitter Paris.